Bonjour à tous, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Ceci est une bobine de fil et c'est une révolution, puisqu'au bout de 20 heures, vous avez ça. Le logo de the3dshopworld.com, l'entreprise de deux jeunes Lyonnais qui veulent démocratiser l'impression 3D. Maxime Boreca, bonjour. Bonjour, enchanté. Alexandre Bonnaz, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Florent. Alors, vous avez tous les deux 25 ans et vous avez décidé de vous lancer dans l'impression 3D. Exactement, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on bosse sur ce projet. Et 4 mois qu'on est lancé depuis la création du site internet the3dshopworld.com. Vous n'avez pas trouvé plus court comme site? Alors, on aurait pu trouver plus court, mais le nom de domaine était pris malheureusement. Ouais. Donc, c'est un petit peu long, mais on nous trouve facilement en tapant 3dshop sur internet. Donc, aujourd'hui, vous voulez démocratiser l'impression 3D auprès du grand public et des entreprises. Exactement. Comment vous allez vous y prendre? Alors, pour ça, on s'y prend déjà grâce au site web. On fait beaucoup de communication sur internet. Et maintenant, on va ouvrir une boutique dans Lyon, un point physique où les professionnels et les particuliers pourront venir nous rencontrer, tester les machines, voir les résultats que ça donne, etc., avant de se décider de choisir. On fait beaucoup de formations, d'événements aussi. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes parmi les premiers à Lyon à vous lancer sur cette aventure de démocratiser l'impression 3D. Il y a plusieurs acteurs sur la région Rhône-Alpes et notamment sur Lyon. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est les seuls à proposer tout un tas de services associés à l'impression 3D. On vend des imprimantes 3D, mais pas seulement. On propose aussi des formations sur l'impression 3D, sur les machines, pour que nos clients repartent finalement avec une machine, plus le service qui va avec la formation. Parce que là, on n'est pas là pour leur faire leur promo, on va le dire. Il y a des gens qui ont des sites et tout, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Non, ce qui nous intéresse, c'est comment aujourd'hui, on peut pousser les gens à adopter la révolution de l'impression 3D. Comment, on a dit tout à l'heure, il y a Internet, des choses comme ça, mais aujourd'hui, qui a besoin de l'impression 3D? Est-ce que les gens ont besoin pour vous? Alors aujourd'hui, c'est vrai que notre clientèle, c'est principalement du professionnel et les écoles. Après, pour le particulier, on va réussir à amener des imprimantes 3D chez les particuliers en donnant des applications à ces machines. C'est-à-dire en donnant des pièces concrètes à faire, par exemple, comme changer des pièces d'un appareil d'électroménager, des choses comme ça. Ça coûte combien une imprimante 3D grand public? Alors, ça commence aux alentours des 400 euros. Et puis, on peut monter jusqu'à 3 à 4 000 euros. Alors, on n'est plus dans le grand public à ce moment-là. Mais à partir de 400 euros, on peut commencer déjà à utiliser une imprimante 3D. Et la meilleure des façons de comprendre l'impression 3D, c'est peut-être l'essayer et venir peut-être nous voir aussi, voir comment ça se passe. C'est beaucoup moins complexe que la plupart des gens se disent. Donc, l'impression 3D, c'est... Mais aujourd'hui, l'imprimante 3D que vous vendez à 400 euros, il faut la monter, elle en quitte. Alors non, à 400 euros, c'est une imprimante vraiment déjà toute montée. Tout est pré-réglé dedans, donc pour vraiment avoir un côté assez simple d'utilisation. D'accord. Après, il y a les kits, effectivement, où là, il faut être un petit peu plus débrouillard pour monter son propre kit et commencer dans l'impression 3D. Mais vous pensez que les gens aujourd'hui, alors les entreprises, ça fait pas doute, elles vont avoir besoin de l'impression 3D. Est-ce que le grand public, pour l'instant, a besoin de l'impression 3D ou ça va arriver plus tard? On disait que 2015 allait être l'année de la révolution. On a vu que la fin de l'année a été très mouvementée et beaucoup d'imprimantes à 400 euros qui ont démocratisé ça auprès du grand public. Mmh. Est-ce que le grand public, en 2016, l'année de l'impression 3D? Alors nous, on pense que le grand public n'est peut-être pas encore suffisamment prêt. Mais cependant, rien que les quelques derniers mois qu'on a fait là, on se rend compte que de plus en plus, les gens s'y intéressent et essayent justement d'y entrer grâce aux machines en kit. Donc ça va arriver petit à petit, peut-être pas en 2016, peut-être plus 2017. Au fur et à mesure que les applications pour l'impression 3D vont sortir. Et on va y arriver. Et puis il y a de plus en plus de sites internet qui proposent des banques de fichiers 3D à télécharger gratuitement. Donc aujourd'hui, même si on n'a pas forcément d'idée pour imprimer un objet ou autre chose, finalement, on peut directement, via ces sites, trouver plein d'idées hyper intéressantes à imprimer. Alors the3dworldshop.com, ça fait combien de temps que ça existe exactement? Eh bien, le site est créé depuis juin dernier et puis ça fait bien 5 mois qu'on a une activité régulière sur le site internet, notamment pour Noël où on a eu pas mal de ventes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous sentez quand même l'engouement du grand public? Oui. Ah totalement, oui. On a senti l'évolution aussi depuis le début où on s'est intéressé au sujet et jusqu'au moment où on s'est lancé et depuis qu'on a commencé à faire du chiffre d'affaires, on voit tous les mois qu'il y a de plus en plus d'intérêt. Mmh. De par nos événements, de par la fréquentation du site. Et on voit que ça évolue positivement. Mais sur une imprimante à 400 euros, vous ne faites pas beaucoup de marge? Non. Effectivement. Et vous passez beaucoup de temps à faire du tuto, du SAV, à aider les gens. Voilà. Effectivement, on nous appelle beaucoup lorsque le client reçoit son imprimante. On l'assiste un petit peu dans l'utilisation, les premières utilisations de l'imprimante 3D.
Et c'est aussi notre rôle aujourd'hui, accompagner chacun de nos clients pour utiliser au mieux son imprimante. Parce qu'on va revenir sur ce débat au niveau du grand public. Aujourd'hui, quand vous vendez une imprimante 3D à un particulier, il va en faire quel usage? Ça, c'est la question qu'on se pose toujours, que nos clients se posent, que nous-mêmes, on pose à nos clients. Et les usages sont extrêmement variés. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui l'utilisent soit pour découvrir et essayer, faire des petites pièces pour un crayon, coque de téléphone, etc. Mais la majorité de nos clients aujourd'hui, c'est surtout parce qu'ils ont derrière un projet qui va être commercialisé grâce à l'imprimante 3D. C'est-à-dire qu'ils vont servir de l'imprimante 3D pour faire les premiers prototypes ou pour faire carrément des pièces qui vont être vendues telles quelles. On peut vendre derrière le résultat de son impression 3D quand on est particulier? Alors, on ne peut pas le vendre en tant que… Alors, ça dépend s'il y a des droits, etc. Mais on peut le vendre en tant qu'impression, en tant que service d'impression. Voilà. Alors, l'interview pour la partie TLM se finit maintenant. On est désolé si vous êtes frustré. La suite, c'est sur lioncapital.fr. Quant à nous, eh bien, on continue pour cette interview sur l'impression 3D avec les fondateurs de the3dshopworld.com. Je n'aime pas votre nom, il est trop long, il va falloir le raccourcir. On va le changer, on va y penser. C'est dans les projets. C'est long. Mais pour revenir sur l'impression 3D, tout à l'heure, vous disiez que Noël a été une excellente période pour vous. Ouais. On sait que les écoles font appel à vous, les entreprises font appel à vous. Aujourd'hui, pour l'année 2016, quelles sont vos ambitions? Alors aujourd'hui, la première ambition déjà, c'est de faire un magasin qui va correspondre à notre image de marque par rapport au site internet. Qui sera où? Qui sera dans le 3e arrondissement, donc au 26 rue Notre-Dame. Et donc ça, c'est le premier projet puisqu'on a le magasin cette semaine, donc on espère ouvrir dans le mois. Et ensuite, c'est de développer toute notre offre, parce qu'aujourd'hui, on propose plein de choses qui n'apparaissent pas sur notre site. Donc on va refondre un peu tout ça pour développer l'offre professionnelle, donc tout ce qui est le service lié à l'impression 3D. Parce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez 25 ans tous les deux, vous sortez de la même école de commerce, vous avez fait le même diplôme, vous pouvez faire de la pub à votre école, allez-y, c'est le moment. Bon, on vient de l'Hydrac Lyon, voilà. À Gorge de Loup. Et vous saviez, quand vous étiez tous les deux, que vous alliez lancer ça, vous vouliez faire autre chose au début? Au début, on avait tous les deux l'ambition de se lancer déjà. Créer une société, c'était le premier but. Et l'impression 3D, on a découvert ça grâce à un stage qu'on a fait en alternance. Et c'est vrai que du coup, quand on a commencé à réfléchir à ce projet, c'était un peu comme une évidence de le faire tous les deux. Et on s'est pris de passion pour le sujet, ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Mais au début, vous pensiez vraiment vendre des imprimantes 3D? J'ai cru comprendre, pour en parler avec vous, que vous vouliez faire autre chose au début. Au départ, on était ouvert, disons, à toute création d'entreprise. On avait un petit peu tous les deux dans l'esprit d'entrepreneur. Et c'est vraiment après ce stage qu'on a vu qu'il pouvait y avoir un réel intérêt de créer une société là-dedans, notamment par rapport au marché où c'est vrai que tous les organismes qui donnent un petit peu des prévisions sur les marchés s'affolaient un petit peu, disant que le marché de l'impression 3D allait exploser, etc. Donc il n'a pas explosé comme on aurait pu le prédire, mais il y a des belles évolutions et on est très heureux aujourd'hui d'être sur ce marché qui est vraiment passionnant au niveau de l'impression 3D. Ouais. Alors vous avez dit une boutique qui va bientôt être inaugurée à Lyon, dans le 3e arrondissement. Quel est l'intérêt à l'heure du tout digital où beaucoup choisissent de tout faire en ligne d'avoir une boutique physique? C'est surtout pour venir voir ce qu'est l'impression 3D, comment fonctionne une imprimante 3D. Et puis on est là aussi pour expliquer tout ça à toutes les personnes, à tous les Lyonnais qui sont ravis d'être chez nous. Ça fait du boucan, il va falloir prévoir les boules-caisses si vous avez pas mal d'impression. Il y a des imprimantes 3D pardon, qui sont moins bruyantes que d'autres. On peut quand même travailler à côté sans problème. Et vous allez exposer combien d'imprimantes par exemple dans ce magasin? On a une quinzaine d'imprimantes 3D dans notre showroom. Toutes celles qui sont sur notre site internet, nous on les a en showroom. Et on les utilise pour pouvoir faire le service après-vente dessus, pour pouvoir faire les formations, etc. Alors, quand j'ai parlé de cette interview à certains de mes collègues, beaucoup me disaient, je croyais que c'était un cube qui était façonné par laser et tout. Et puis, on découvre que non, pas du tout, c'est du fil. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un travail de vulgarisation à faire sur l'impression 3D? Beaucoup. Et on passe beaucoup de temps à ça, que ce soit dans les portes ouvertes qu'on fait, dans des écoles, sur des salons, ou même quand les personnes viennent nous rencontrer dans notre showroom. On passe beaucoup de temps, justement, à expliquer vraiment comment ça fonctionne. Puisque beaucoup pensent encore que ça fonctionne comme l'usinage et que c'est une technique de fabrication qui vient compléter finalement la chaîne qu'on a aujourd'hui. Alors, l'impression 3D, on en voyait beaucoup dans les Fab Labs, ces labos qu'on trouve associatifs. Par exemple, à Lyon, on en a plusieurs. Maintenant, est-ce que pour vous, il faut en avoir une à la maison ou il faut que ça reste un bien commun comme ça a été le cas pendant longtemps? Alors, sur ça, il y a différents avis. Aujourd'hui, je pense qu'on va tendre vers le fait que de plus en plus de personnes vont s'équiper en avoir à la maison, mais ce n'est pas forcément nécessaire pour tout le monde. On va dire qu'on peut compter une imprimante pour 3 à 5 habitants. Il y a des sites qui mettent en relation aujourd'hui ceux qui ont une imprimante et ceux qui veulent imprimer.
Donc c'est du fait qu'il n'y ait pas énormément d'applications données à l'imprimante 3D pour le grand public, tout de suite, il n'y a pas forcément grand intérêt à chacun de l'avoir. On va faire la question racolage, mais on voit souvent parler des imprimantes 3D avec des gens qui, soi-disant, imprimeraient des armes à feu chez eux. Ça, c'est des choses dont on vous parle ou pas ? Un petit peu, les gens sont forcément entendus dans les, dans les médias, ces choses-là. Moi, à mon avis, c'est un coup à laisser un œil, de fabriquer une... Oui, après, il n'y a pas de plan aujourd'hui complet d'armes sur Internet. Après, c'est vraiment des personnes qui veulent chercher, qui veulent avoir ces choses-là. Aujourd'hui, les gens y pensent, nous en parlent, mais... Et c'est pas fait sur les imprimantes que le particulier peut acheter. Hein. Oui. C'est fait sur des imprimantes qui valent bien plus cher. Et donc, bon... C'est pas donné à tout le monde non plus de réussir à faire une arme sur une imprimante 3D. Et par contre, quand on voit des gens qui parlent du côté plus positif, des prothèses pour les enfants, des choses comme ça, on peut le faire avec vos imprimantes ? Ça, on peut le faire. On peut le faire, notamment la prothèse qui a été présentée une fois, je crois que c'était au journal de 20h, au 13h sur TF1. Il y avait le fichier type et est en open source sur Internet. Donc open source, ça veut dire un peu comme le logiciel libre, ouvert au grand public. On arrive à la question des imprimantes 3D, qui est importante. On a vu que les fabricants d'imprimantes papier ont mis des protections de partout pour empêcher les gens d'utiliser des cartouches génériques. Ça arrive aussi dans l'impression 3D. Quel regard portez-vous sur ces imprimantes qui ne peuvent être utilisées que par des bobines compatibles ? Elles ont un intérêt dans un premier temps de simplicité, en fait. Il y a des imprimantes open source qui sont un petit peu plus complexes et les imprimantes 3D propriétaires, tout est pré-réglé d'avance. Donc finalement, pour démocratiser l'impression 3D, c'est un réel intérêt. Pour les imprimantes open source, c'est quelque chose d'un peu plus complexe dans le sens où on va devoir paramétrer nous-mêmes tout ce qui va être logiciel d'impression. Et donc finalement, le côté propriétaire, c'est vraiment dans un souci de simplicité en fait. Parce pour aider l'utilisateur à imprimer très simplement un objet. Une bobine comme celle-là, on est sur quel tarif ? On est sur 32,50 euros pour celle-ci, pour 750 grammes de matière. Et je peux imprimer combien de choses comme ça, avec une bobine comme ça ? Alors, c'est la question qu'on nous pose tout le temps, et nous on répond tout le temps, 750 grammes de matière. D'accord. Parce que ça dépend de la densité de la matière, voilà exactement. Ça dépend de tous les paramètres qu'on va mettre, voilà. Alors là, pour le coup, c'est votre filament que vous commercialisez sous votre marque. Mmh. C'est le problème aujourd'hui, le filament. On voit, c'est sous vide, il y a un petit sachet pour pas que ça soit humide et tout. C'est pas compliqué, l'impression 3D, ça sera l'une des dernières questions. Ça devient... Enfin, c'est un peu compliqué à la base. Et c'est là aussi que va avoir un intérêt tout ce qui est propriétaire, puisque ça simplifie grandement. Mais de plus en plus, ça simplifie. Et quand on voit certaines machines qui commencent, comme on disait tout à l'heure, à 400 euros, où il n'y a rien à faire, tout est propriétaire, on la branche et ça peut marcher au bout d'un quart d'heure, c'est que là, on commence vraiment à toucher du grand public. Mais votre intérêt, ce n'est pas de vendre des machines à 400 euros, c'est de vendre des machines à 4000 euros, non ? Non, mais on a vraiment un objectif qui est de démocratiser l'impression 3D. Et ces petites imprimantes 3D à 400 euros, toutes ces imprimantes propriétaires également, eh ben, elles nous aident à le faire. Parce que sinon, il y aurait beaucoup de personnes qui ne passeraient pas le cap en se disant « voilà, c'est trop compliqué, etc. » Donc, c'est une initiation, finalement, avec ces petites imprimantes 3D pour par la suite acheter une imprimante 3D où effectivement, là, on aura des meilleures marges. Alors, on disait les prothèses, le prototypage, faire des bijoux aussi. On a des gens, on peut imprimer du bois, on peut imprimer du tissu, on peut imprimer de la nourriture maintenant. On s'arrête tous sur l'impression 3D. Ça, c'est la question que tout le monde pose, puisque c'est vrai que du coup, les possibilités de l'impression 3D font rêver, mais les dérives font souvent peur aussi. Vous parlez des dérives au-delà des armes à feu ? Par exemple, j'ai donné un exemple. Je dois l'avouer, hein, j'ai eu la chance d'avoir une imprimante 3D. La première chose qu'on m'a demandé, c'est de faire une pièce détachée d'une machine à laver, pièce qui coûte 100 euros sur le marché de la pièce détachée. Alors, je ne vais pas dire si je vais le faire ou pas, parce qu'à mon avis, je peux peut-être avoir des problèmes légaux avec ça, mais je peux réparer moi-même ma machine en faisant moi-même la pièce. Le cadre légal, il est inexistant aujourd'hui. On a vu l'industrie du disque qui s'est fait dépasser, tout le monde a ripé sa musique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réparer tous ces objets sans passer par les fabricants, mais en étant en dehors de la loi ? Alors, si vous êtes bon dans la modélisation 3D, vous pouvez effectivement reproduire n'importe quelle pièce. Même en scannant à l'aide d'un scanner. Après, aujourd'hui, tout ce qui est question de légalité, tant que vous ne commercialisez pas cette pièce-là, le droit ne réprimande pas aujourd'hui ces choses-là. Parce que là, mon micro, par exemple, a une partie en plastique qui casse, je refais cette partie plastique, est-ce que j'ai le droit de le faire ? Que dit la loi ? La loi, elle est assez tendancieuse là-dessus. Normalement, on a le droit de faire une copie si c'est pour une utilisation personnelle d'un objet qu'on a acheté. On n'a pas le droit de le commercialiser. Et même là-dessus, il commence
petit à petit à y réfléchir parce qu'effectivement, ils se posent les droits, les droits d'auteur, etc. Sur tous les produits. Mais vous, quand vous vendez une imprimante, vous êtes obligé d'un petit peu de faire de la pédagogie pour ces questions-là? Un petit peu, oui. On prévient toujours qu'on ne peut pas, une pièce qui est d'une marque célèbre, on souhaite l'imprimer en 3D. Nous, on prévient toujours qu'on ne peut pas commercialiser ces choses-là. Enfin, la personne ne peut pas les commercialiser, c'est même interdit. Après, quand c'est de l'utilisation personnelle, là, il n'y a pas de problème. Et on se rend compte que certaines personnes mettent gratuitement les fichiers. Et par contre, on peut faire des figurines Star Wars, on peut faire, je dis ça parce que c'est le film à la mode, on peut faire des produits qui sont normalement interdits d'être fabriqués. Tout à fait, mais là, vu que c'est la personne qui l'a modélisé elle-même, il y a de la contrefaçon d'un côté parce que finalement, c'est un produit Star Wars qui n'a pas la licence Star Wars, mais d'un autre côté, c'est pas Star Wars qui l'a produit, c'est Monsieur X qui l'a modélisé tout seul sur son ordinateur, qui l'a imprimé sur son imprimante. Donc c'est là que du coup, il se pose la question du. On comprend que la limite, c'est qu'à partir du moment où la personne ne fait pas commercialisation de cet objet, normalement, il y a une sorte de flou. Oui, une sorte de flou. Et même l'objet justement Star Wars qui est en libre service parce que Monsieur X l'a modélisé et l'a mis en libre service. Là, il y a un flou puisqu'il y a des millions d'utilisateurs qui vont pouvoir le télécharger gratuitement, l'imprimer. Et on ne sait pas vraiment si c'est légal ou si c'est illégal. On va finir sur une dernière question, parce que c'est passionnant, on pourrait faire cette journée, on pourrait faire 12 heures. Le souci, c'est qu'a priori, vous avez de la maintenance sur les imprimantes 3D à faire derrière. C'est ça. Quand vous avez vendu des imprimantes dernièrement, est-ce que vous avez senti qu'il y avait des potentiels qui allaient se révéler grâce à ces imprimantes 3D? Est-ce que parmi vos clients, vous avez dit, ils avaient besoin de nous et maintenant, ils vont pouvoir faire ce qu'ils ont besoin de faire avec ces imprimantes? Tout à fait, surtout au niveau des écoles. Ouais. C'est des projets étudiants qui vont prendre vie, vraiment, on ne pouvait pas faire ça auparavant, en fait. Après, au niveau des entreprises aussi, tout ce qui est prototypage, ça prenait extrêmement de temps avant d'avoir sa première maquette, finalement, physique. Mmh. On passait par des moules, etc. Donc oui, il y a vraiment des clients dans lesquels on a vu un réel impact d'avoir une imprimante 3D. En fait, des clients ça a beaucoup changé de choses. Qui vont créer un business model complet uniquement autour d'une imprimante 3D. Ah oui. Oui. Donc ça veut dire concrètement que l'impression, on finira là-dessus, l'imprimante 3D peut créer plus d'emplois qu'elle n'en détruira. Ah, ça, on en est persuadé. Ouais. Vous prévoyez de. Déjà, vous avez créé deux emplois les vôtres. Oui. Vous payez ou pas encore? Pas encore. Ouais. Et vous prévoyez de recruter prochainement? On espère, oui. On espère aussi. On va commencer par des stagiaires, forcément. Et par la suite, on espère, oui. D'accord. Rapidement. Donc, on part de ça. Et puis derrière, c'est Obama qui pense quoi pour révolutionner le monde avec l'impression. Une imprimante dans chaque école, c'est ce qu'il a demandé. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Merci à tous pour cet autre direct. On se retrouve très bientôt et merci à Elisane pour la réalisation de cette émission. Bonne journée à tous.